Bonjour à tous et bienvenue dans Easy French. Qui dit nouvel an dit résolution. Bonne résolution. Mais notre liste est encore vide. Allez, venez, on va trouver plein d'idées. Arrive, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions? Peut-être passer moins de temps sur le portable, essayer de moins fâcher ma sœur. Ah, c'est elle qui c'est ta sœur? Non. Ah, d'accord. Alors... Mais elle aussi, elle devrait le faire, hein, parce qu'il n'y a pas que moi. Ah, c'est dans les deux sens alors, c'est dans les deux sens. Oui. Est-ce que vous avez des résolutions pour cette nouvelle année? Bah, c'est toujours comme d'habitude, hein, moins manger, moins faire du sport... conduire un peu mieux, pas battre sa femme. Bon, après, c'est des trucs... comme d'habitude, oui. Comme d'habitude, il faut essayer de faire mieux. Des choses qu'on ne tient jamais, mais qu'on y pense. Retourner au sport, parce que je fais beaucoup de vélo les années précédentes. Et je suis arrêté il y a un an. Et, mais ça me manque. Mais c'est difficile de te remettre. Alors, il faut que je travaille à moi-même. Allez. Vous pensez que les résolutions se prennent toute l'année? Toute l'année. Toute l'année, c'est mieux. Il suffit pas d'un seul jour ou d'une année qui commence pour dire on va changer quelque chose. Je pense que tous les jours. Tous les jours, l'année, enfin tous les jours, la vie recommence et. Voilà, donc tous les jours, on est amené à aider quelqu'un dans la rue, à aider quelqu'un dans les grandes surfaces, une petite mémé qui n'arrive pas à arriver à atteindre le rayon au-dessus. Donc moi, mes résolutions sont basés sur la vie et la vie de tous les jours. Eh ben moi c'est continuer à faire du sport et puis essayer de rendre ma famille et mes amis heureux, voilà. Si on pouvait vivre toujours dans la joie et puis rigoler tout le temps, voilà, faire que tous les jours soient un jour de soleil. Comme aujourd'hui à Nice. Comme aujourd'hui, voilà. Merci beaucoup, messieurs, merci, dames. Au revoir. Qu'est-ce que tu penses de cette mode qui perdure d'avoir des résolutions chaque année et de pas les tenir finalement? Bah, ça permet aux gens d'espérer pour l'année entière, espérer de faire de meilleures choses. Mais après, c'est souvent des résolutions qui sont tenues au début, mais qui durent pas très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un jour pour se dire de prendre des bonnes résolutions? Bah, c'est pour ça que ce jour il existe, pour qu'on croit. Pour qu'on y croit et qu'en fait... Il faut bien qu'il y ait un jour pour ça, sinon... Pour qu'on se rappelle qu'il faut prendre des bonnes résolutions. Voilà, sinon... Autour d'en rond, ok. Après, c'est vrai qu'on peut... C'est comme les régimes, on les commence toujours un lundi. Et en vérité... On les arrête le mardi. Ouais, des fois... Le mercredi. Le lundi soir, des fois. Le lundi soir. Ah, moi, c'est... Assez de vitesse. Oui, oui. Pour nous qui... Pour tous les gens qui voudraient prendre des résolutions pour la nouvelle année, est-ce que vous pourriez leur donner des idées comme ça? Mais d'être moins agressif en voiture... D'être plus à l'écoute de son prochain, de regarder autour de soi. Et est-ce que vous avez d'autres résolutions un petit peu pour cette année? Oui, j'essayais d'être un peu plus, pas trop exigé par les choses qui sont autour de moi, parce que je ne peux pas le changer. C'est mieux de les accepter et ne pas te laisser pourrir la vie, c'est ça. Mais... Inutilement, par des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez des résolutions pour la nouvelle année? Bah oui, la première résolution, c'est que j'ai envie d'aimer ma femme encore plus que les autres années. C'est une belle résolution. Ouais, sinon, peut-être se remettre un peu au sport quand même. Voilà. Parce que franchement, il y a du besoin et il faut. C'est une bonne chose de s'y remettre. Donc, et puis sinon, bah, pour le reste, que ça continue comme ça continue depuis quelques temps avec toi. Et tout pour tout le reste, moi, ça me suffit largement. Et toi, personnellement, tu as parfois pris des résolutions? Bah, je les prenais pour le jeu parce que tout le monde en prenait, mais sinon. Bah, c'était pas vraiment quelque chose que je considérais comme quelque chose que j'allais faire ou accomplir. Du coup, cette année, ça va être une année plus sportive. Oui, tout à fait. Oui, parce que le course à pied aussi, je veux reprendre et le vélo. Oui. Ça fait du bien pour le corps et puis pour l'esprit. Oui, pour l'esprit. Et comme ça vide la tête. On a tous les soucis vont partir. Après, quand on rentre à la maison, on a comme un nouveau-né. C'est beau. Pas besoin de sous, parce que les sous, j'en ai pas eu besoin jusqu'à présent, je m'en suis sorti sans. Donc même si on n'a pas de sous, c'est pas si grave que ça.
l'argent qui n'est pas synonyme de bonheur finalement. Pas forcément, mais en tout cas, c'est pas toujours une relation directe. D'accord. Voilà. Donc ça aide peut-être, mais c'est pas la, ce qui est pas ce qui est à la base de ça. Exactement. Et pas d'autres résolutions. Tout va bien finalement. Voilà, c'est ça. La vie est belle. Exactement. La vie est belle. Et finalement, pour cette année, quelles sont tes résolutions? Alors, si je vais prendre des résolutions, ce serait travailler un petit peu plus au lycée. Ok. Puis être un peu plus sérieux. Être un peu plus sérieux. Ok. Merci beaucoup. De rien. Pour cette nouvelle année, nous, on ne sait pas exactement quoi prendre comme bonne résolution. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? De pas fumer. Ça, c'est bon. D'être sage. Ça a l'air pas mal aussi. De pas boire. Voilà, pas trop. Au volant, parce que quand vous êtes jeune, voilà. Et puis faire attention à vous, hein, surtout. Ok. Voilà. Bah, merci. Et donner de l'argent à des gens que vous voyez tout seuls sur une chaise. Vous leur faire un chèque. Allez, on y va. Combien vous voulez? Oh, il faut au moins 500 euros. Je les ai pas sur... On repasse? Oui, j'attends, je bouge pas. Tant qu'il y a le soleil, je suis là. Ok, on revient plus tard. Merci. Fais une tête bizarre. Non. Fais coucou. Non. Fais coucou. C'est vrai, tu vas me mettre dans le bonus.